Salut tout le monde, c'est Axe. J'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver sur la chaîne pour démarrer ce nouveau Let's Play consacré à GTA 3, mais la Definitive Edition, bien entendu, pas la version de 2001. 20 ans se sont écoulés et Rockstar nous fait le plaisir de ressortir la trilogie GTA 3, San Andreas et Vice City. C'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. En version remaster, pas remake. Attention, ils ont gardé l'essence même des jeux d'il y a presque 20 ans. Enfin, 20 ans pour GTA 3 et un petit peu moins pour les autres. C'est-à-dire qu'on va garder un aspect comme dans le jeu, mais les graphismes ont été améliorés, retouchés, recolorés, pour que ça colle un petit peu plus à aujourd'hui. Mais l'esprit du jeu est toujours là. Le scénario est le même, ça n'a pas changé. On va garder un aspect un petit peu cubique, etc. Bref, vous avez compris, on va repartir 20 ans en arrière sur un jeu que j'ai à peine touché. Celui-ci. De ce que je me souviens, vraiment j'ai fait le début et j'avais rejoué, je crois, à San Andreas avec Carl, il me semble, un Afro-Américain qui revient dans sa ville parce que sa mère est décédée. Et Vice City, j'y ai pas joué et pourtant on m'en a dit énormément de bien en me disant ouais, tu vas voir, c'est un peu Scarface, etc. Enfin, niveau ambiance, tu devrais le faire. Et bon, je vais attendre un petit peu. Jamais le temps de se poser sur tous les jeux qu'on voudrait faire. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ben là, quand j'ai entendu parler d'une version remaster qui est rebossée un petit peu dessus, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. J'étais pas sûr pour la trilogie, donc ça fait un peu plus d'un an qu'on en entend parler. En tout cas, des bruits de couloir, etc. Ça fait quelques mois que c'est officiel. Par la suite, pourquoi pas faire le 4 et le 5? Ça peut se faire aussi. En attendant, le 6, désespérément. J'avais énormément joué au 1 et au 2. Un petit peu la suite, mais voilà, je m'étais pas posé dessus, donc bah écoutez, on va redécouvrir ça ensemble. Peut-être que la plupart d'entre vous étiez trop jeunes pour y avoir joué, voire n'étaient pas nés en 2001. Moi, c'est à peu près la moitié de ma vie. Voilà. Donc bah écoutez, on se lance, on débute. GTA 3 Definitive Edition, let's go. Alors bien entendu, on est sur PS5, pas sur PC. Ni sur Xbox, ni sur Switch, et c'est disponible de partout. Ouais. Le son est un peu fort pour moi. Allez, le casse. Et c'est là où tout va basculer. Claude, je crois qu'il s'appelle Claude, notre protagoniste. Sorry babe, I'm an ambitious girl. You're just small time. Ah, elle a descendu les deux. Je crois qu'elle descendait que Claude et qu'elle se barrait avec l'autre. Un criminel trahi par sa petite amie et complice, les jurés reconnaissent le braqué coupable à l'unanimité. Pas de bol, il n'est pas mort. Alors si je me souviens bien, il réussit à s'échapper, malgré lui, il réussit à s'échapper et il va tenter de se venger de ce braquage qui a mal tourné. Chose comme ça. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. On dirait une batterie. Enfin, un ensemble de piles. Boum, le Hummer. Come on! Señor Dickhead! It's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Ah, c'est bon quand même. 20 ans en arrière, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tellement plus réaliste. Hein. Il n'y a qu'à voir le nouveau Call of Duty. Hein. Mais. Tiens, allez, vas-y, mon Claude. C'est bon. Alors GTA, tu penses pas gentil. Hein. Tu penses pas à être bienveillant, tu penses pas à GTA, t'es un gangster. Tu fais tout péter, tu
roules sur les gens. Tu voilà, t'as pas peur de gros la police, tout simplement. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Ok. Alors, appuie pour monter ou descendre du véhicule. Oui, parce que je connais pas du tout. Moi, je jouais à l'époque sur en clavier souris. Ok. Voilà. Manière dont ils ouvrent les portes. Là. Normalement, j'avais coupé la radio pour éviter de me faire strike. Donc, s'il y a moins de musique, j'en suis désolé, c'est normal. Ok, là, on a le frein. Là, on change de... Ok. Et ça commence. Ça commence. Alors, vous allez voir, hein, on va avoir des accidents, on va écraser des gens, on va renverser des poteaux. Voilà. Et c'est normal. Donc, en gros, ma conduite habituelle sera une conduite normale. Ouah, c'est lourd. Le jeu a 20 ans. Faut pas avoir peur. Hé, tu vas où, toi? Donc, on suit la route, hein. On est sur le... Hop. Je viens de relancer le jeu, hein. Je l'ai pas lancé avant, c'est vraiment la nouvelle partie. Ok. Et on est là. On va se changer chez Eddie's. Si tu n'es pas en mission, tu peux sauvegarder la partie ici. 6 heures vont s'écouler. 6 heures. Le garage d'à côté peut stocker véhicules. Ok, quand tu sauvegardes ta partie. Ah oui, on est tout beau. Alors. Alors, hop, on a la carte. La carte, on peut dézoomer. Ouais. Elle est pas très grande, hein. En même temps, il y a 20 ans, c'était déjà pas mal. Hein. C'était déjà pas mal. Donc, on a des magasins où on peut acheter des armes. Il y a des magasins où on peut faire repeindre la voiture, la réparer. Ça, le petit carré qui clignote, c'est là où on doit aller, tout simplement. Là, c'est là où on est. Ça, c'est notre maison. On peut avoir d'autres planques. Voilà, je cherchais le mot. D'autres planques sur la carte, voilà. Sur les trois îles différentes, on a des planques, magasins d'armes et de camouflage pour la voiture. On veut échapper aux flics. Tout là-haut, on a du coup les indicateurs. Donc là, on n'a pas d'armes, on est au point. Le temps, 6 minutes 4, etc. L'argent qu'on a et nos points de vie, 100, et les étoiles en dessous de shérif, bah plus ça monte, plus on est recherché, quand on arrive à 6, il y a 6 étoiles, hein, c'est ça si je ne me trompe pas, 6 étoiles, les flics arrivent avec les tanks, etc., et tout ce qui va bien. Alors, là je vais juste remonter dans ton véhicule, j'y vais, bien entendu, mais j'ai vu ça, alors comment je la prends? Comme ça, ok. Je peux taper, au moins, hop, on a une batte pour pouvoir se défendre. Comment je la range par contre, la batte? Ok. Il va falloir trouver un petit peu les... Hop. Allez, on va chez Luigi. Ouais, ouais, tu peux me klaxonner. J'en ai rien à foutre, regardez. Hop là, on peut renverser les gens. C'est cool. C'est GTA. C'est GTA. Ne vous offusquez pas, parce que du bordel, on va en foutre. Visiblement, la police nous recherche. 2 étoiles. On peut pas écraser les gens tranquillement, ni impunément. Les filles de Luigi. Alors, j'espère que le son, ça va. De toute façon, je vérifierai au montage. Donc, les graphismes sont encore un petit peu carrés, c'est normal. Le jeu a 20 ans. Ça a quand même été un petit peu lissé. Là. Le coup de latte pour sonner. C'est rapide. Paul's got some business upstairs. Or maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. C'est un petit côté mafia, etc. Alors, même les graphismes, si, dans Max Payne, c'était mieux fait, mais bon, Max Payne est quand même un peu plus récent.
Un petit peu vieille notre voiture, mais bon, c'est pas grave. On aille chercher une fille. Alors, changer la station. Ok, mais ça, on s'en fout parce que j'ai coupé la musique. On sait jamais. J'ai pas envie de me faire copyrighter, shooter par, par YouTube. Ce serait dommage. Peut-être des cuts, etc. Hop là. On peut prendre normalement des taxis pour faire les missions taxi. Elle est là. La petite. Alors, dans GTA 1 ou 2, peut-être le 1, on avait une mission similaire. On s'arrêtait, on prenait des missions sur les téléphones publics. Et on avait une mission comme ça au début. Ça ressemble énormément, je trouve. Allez, monte. Elle est pas très belle. Hein. Ouais, Misty, t'es pas belle. Pardon. Alors, ah oui, on peut regarder derrière soi. Super. Très bien. Ouais, bah, je fais demi-tour ici. Voilà, ça va bien. Bon, je vais quand même essayer de... Oui, on peut changer de vue comme ça. Oula. Je vais quand même essayer de rouler normalement. Pour le moment, de pas trop me faire choper par les flics. Allez, descend. Un peu courte sa jupe. Hein. Bon, en même temps, on se demande pas quel boulot elle fait, la petite Misty. 1500 balles pour avoir réussi la mission. Ok, donc maintenant. C'est un sex club. Tu peux retourner voir Luigi pour qu'il te donne des missions. Bah, c'est ce qu'on va faire. On va pas tourner en rond non plus. Pas de spank pour la pépé. Ouvrez-moi. Luigi said... To give you this, so here, take it. There's a new high on the street. Goes by the name of Spank. Some wise guy's been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Ça va. On a vu plus compliqué. Dans l'émission. Alors, bat, bah, on va la prendre, mais normalement j'en ai déjà une. Hop, on va repasser. Comme si je l'avais perdu. Oh, oh. Je vais garder cette voiture. Là, quand même. Et où est-ce qu'on doit aller? Alors, faut qu'on aille sur, bah, sur le port, tout simplement. Allez, on fait demi-tour. Ah oui, on peut emprunter des itinéraires non indiqués si on veut des fois se camoufler de la police, etc. Ah, les bonnes vieilles sensations quand même. Ça passe entre les deux toujours, c'est bon ça. Hop, 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 on se l'allume, on se l'allume. Par contre... Hop. Je vais aller trop loin. Comment il marche, lui? Oh, merde. Lui, il s'est pris quelque chose quelque part. Je vous raconte pas. Bim! Oh, direct. Tiens. Ça fait un bon beat. Allez, hop, prends la caisse. Ah, puis on lui roule dessus, du coup. Ah bah, ils étaient sur ma route. Hein. Pas déconner non plus. On n'a pas d'étoile. Ah. Oh. Comment il est mort, lui? Wow, wow, wow. Ah, il veut faire la course avec moi. Ah, fallait pas traverser quand j'arrive. Ah, on s'est fait report.
Allez, je garde le véhicule dans l'atelier. Allez. Nouvelle peinture. Les flics ne vont plus me reconnaître. L'autre, il va pas reconnaître sa voiture non plus. Hop, on part là-bas. Oh, 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 le flic, il a failli me rentrer dedans, vous avez vu? Allez, on apporte la voiture à Luigi, je pense. Oh, va me retrouver dans le camion, ça peut faire mal. Ah non! Oh! Ah, bah eux, ils ont fait accident, j'ai même pas eu besoin d'intervenir. Merde, du coup, eh, regarde pas la map, regarde où tu vas, mon grand. Eh, c'était ici. Aïe. Garde le véhicule et repart à pied. Petite pompe qui va bien. 4 000 $. Ça, c'est cool. Bon, on retourne voir Luigi. Je pense, hein. Ah, lui, il me fait de la peine, sérieux. Comment il marche? Il y a un papy dans mon village qui marche comme ça. On l'aime bien, après il est super gentil, mais... problème de hanche, c'est fou, quoi. Alors, pour courir... ah oui, il faut tapoter, je me souviens. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Non, ils se sont fait écraser. Regardez. Regardez ce bordel. Mais en fait, ça tire de partout, c'est un règlement de compte de gang. Moi, je me barre. Oh non, il y a un mort ici. Ah bah ouais, attends, planque l'arme. Ouais, j'ai récupéré plein de trucs gratos. Oh, cool. Luigi, il a rien pour moi. Oh, madame. Salut. Salut. Je voulais pas te frapper, madame, je suis désolé. Je voulais utiliser tes services. La mystérieuse Misty. Ça va super vite, je trouve. How you doing, kid? The Don's son, Joey Leone. He wants some action from his regular girl Misty. Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo Turf. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. Ah, il est carré. Ouh, un véhicule. Il n'y a pas de véhicule garé. Ah, quitte à prendre un véhicule, on va le choisir. On va le choisir sympa. Ah, regarde. Hop, 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 toi. Dégage. Ah zut, en plus je l'ai écrasé le pauvre gars. Il y a les flics qui sont juste là. J'ai grillé le feu devant eux, je voulais faire un test, ça n'a rien fait. Viens là. Elle boitille un peu, hein. Je sais pas ce qu'elle a pris. Ah, ça y est, elle court. Ok. L'autre, il me klaxonne, il sait pas qui je suis, il est fou. Les flics, ils sont toujours là, hein. Juste dire ça. Allez, hop, plus de pare-choc. Ouh. Oh, 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 oh non, oh non, oh non. Horrible, horrible ce qui s'est passé.
Aïe, 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 aïe. Les flics sont après moi. Oh non. Oh la violence. Vas-y, barre-toi, Axe. Ça valide la mission ou pas? Est-ce qu'ils m'oublient? Ah, ils vont peut-être m'oublier. Ah, j'ai trouvé comment brain le jeu. Ah, la petite tape sur le cul. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right? $1000. Oh, notre pauvre caisse. On va dire que c'est plus tard. Le dernier repas de Mike Babin. In a moment, sweetheart. I got a little business to take care of. C'est énorme. I got a little job for you, pal. The Ferrelli brothers have owed me money for too long and they need to be taught some respect. Lips Ferrelli is stuffing his fat face in the St. Mark's Bistro, so steal his car and take it to 8 Ball's bomb shop up in Harwood. You know 8 Ball, right? Once he's fitted it with a bomb, go park the car where you found it. Then sit back and watch the whole show. But hurry up, he won't be eating forever. Okay. Oh, eux, ils sont en train de se frapper devant moi. Hop, allez, faut vite y aller. On va vite au resto. Mais même les flics, ils roulent n'importe comment. Quand t'as pas le droit, tu prends le gauche. Laquelle sa voiture, celle-là. Oups, il y avait une alarme. Allez, c'est parti. On va essayer de pas abîmer sa voiture. Et on va essayer. Oh là là, mais ils roulent n'importe comment, ils sont pires que moi. C'est vraiment un jeu pour moi. Ouh, oh, je suis passé dessous. Nickel. Alors, Hitball, c'était ouf. Je mets le truc ici. Visiblement. Allez, on va ramener la voiture. C'est ici. Allez, 3 minutes 50, ouais, ça va le faire. Aïe. Ok. Bombe amorcée, voiture posée. Dans les temps. Allez, grosse babine. Boum. On a laissé les phares allumés. Ils s'en rendent même pas compte. Oh, $10,000. Eh, on devient riche rapidement quand même. Il y a un flic qui essaie de me choper quand même.
va essayer de retourner chez Luigi. C'est qui se tire dessus là? Il y a des guerres de gang, mais c'est un truc de débile. Tout le monde se tire dessus dans ce quartier. Ouais, je vais me garer là comme un malpropre. Macro en boîte. C'est n'importe quoi ces noms de mission. Some Diablo scumbag has been pimping his scuzzy bitches in my backyard. Go and take care of things for me. If you need a piece, go around back of Amno Nation opposite the subway. Ok. On va peut-être y aller. Oh, était sympa cette voiture. Alors, on peut mettre un marqueur ou pas? Allez, on va au magasin de freins de gun de fringues. Ok, faut entrer. Elle est où la porte? Elle est là. Luigi said you'd need a piece, so go around the back of the shop. I left you 9 in the yard. Stock épuisé, stock épuisé. Ok, dans la cour. Des gens qui sont pas très. Oh là là. Non! Le clodo, il vient de se faire shooter juste devant nous. Alors, on peut piquer des taxis pour faire des missions taxi, je crois. Oh non! À tirer, mais les flics sont intervenus et tout le monde est mort. Faut que je refasse la mission ou pas? Ok. Quand t'es mort, t'es conduit à l'hôpital le plus proche. Ok. Les docteurs te prennent un peu d'argent. Allez. Oh. La mission en cours échouera. Ouais, mais ça l'a marqué validé. Ah! Ils m'ont pris mes flingues. Le pistolet est maintenant disponible chez Amunation. Ok, en fait, il faut viser et ensuite tu tires. Très bien. Le balle à balle. Le ball à balles. Il doit en avoir marre de me voir. Le policier est tenu à l'hall school hall near the Callahan Bridge et ils vont chercher une old school action. Maintenant, j'ai des filles tout autour de la ville qui marchent la rue. Get them to the ball, they'll make a bundle. Get as many of them as you can before the cops drink away their green. Quatre filles. Alors, elles sont où?
Il y en a une pas loin derrière. On va aller la récupérer. Elle est là. Elle monte. Le problème, c'est que je peux pas mettre 4 filles là-dedans. Il va me falloir une voiture un petit peu plus grande. Alors une voie... Oh bah tiens, un van. Dégage! Oh les abrutis! Allez, dégagez! Ah monsieur, fallait pas boire. De toute façon, personne t'a annoncé, ils en ont rien à foutre de ta vie. La ville est belle quand même, hein. Pas déconner. Le jeu graphiquement, on se marre, hein, mais le jeu graphiquement est sympa. Ok. Hop. Une brune, un peu afro, une rouquine, une blonde, il en faut pour tous les goûts. Allez les gars, je sais pas que ça va faire. Elle est où? La cocotte. Une deuxième blonde, la blonde. Elles vont avoir des bleus. Ah, faut les poser petit à petit. Sérieux? En même temps, j'ai pas pris un minibus non plus. Faut passer à travers le parc ou pas? Non, même pas. Hop, raccourci. Pas déconner, 2 minutes. Allez fille, descendez. Ok, il y en a une ici. Hop. Ah bah voilà, une hispanique. Non, même pas. J'aurais essayé. Aïe. Oh, le camion. Énorme. Par contre, ça doit être tellement pas pratique à conduire, le camtar. Attention. Là, il y a une petite voiture. Je pense que celle-là, je vais laisser le minivan ici. Ok. Et tu veux que je fasse quoi maintenant? C'est quoi le but? C'est quoi la mission? Peut-être pas le bon plan en fait de prendre cette voiture. Mais elle bombarde. Aïe! Ah, vite, il faut que j'aille chez le réparateur. Ah zut! On a amené 4, c'est bon? Yeah, 2000$. Elle est un peu dégueulasse comme ça la voiture. Même l'ambulance, elle en a rien à foutre, elle éclate tous les poteaux. C'est énorme. Bon. On a d'autres missions pour Luigi ou pas? Non. Bah, on va aller chez Jay. Oh, t'es arrêté en plein milieu. Ton camion, ça fait proxénète. Voilà, c'est tout. Oh là 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 là, le fou furieux. Ok, donc Jay est par là. Non, il faut que je descende. Ok, pas de soucis. Vas-y, descends.
Au revoir, Lee. Bon, y a pas une grosse difficulté. Hein. D'ailleurs, j'ai même pas choisi la difficulté. Who needs details anyway? He's got a noodle stand down in Chinatown. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out. If you need a piece, go around back of ammunition opposite the subway. Sort yourself with a nine. You know where it is, right? Well, remember, just watch your back in Chinatown. It's Triad territory. Ok. J'aime bien la voiture là qu'il est en train de trafiquer. Elle est plutôt cool. J'aime bien ta décapotable, donc dégage de là. Par contre, ça me dit pas où je dois aller. Ah oui, on peut voir les gangs. Énorme. Elle vient de se faire frapper par... par les boueurs, il était pas content, je sais pas ce qu'elle lui a fait. J'ai une arme ? Ouais, j'ai une arme. Il faut que je fasse quoi du coup ? Il a un stand de nouilles, il est cuit. Ah ouais, quand même. Allez, mais meurs. Tu m'as lâché un truc, je sais pas ce que c'est. C'est tout? On recharge même pas. Putain, je vais oublier. Ok. Bon, on est en plein Chinatown, faut faire gaffe. On prend une camionnette de proxénète. Allez. On va retourner chez Jay. Ah oui, ici on change de voiture comme on veut, hein. On en a rien à foutre. Hein. Oh, le camion poubelle. Attends. Je veux le camion poubelle. Dégage de là. Mip mip. Oh les mains. C'est ultra rapide l'émission, je trouve. It leaves the edge of Chinatown every day. Bullets won't even dent the van's armor, so get a car and ram it off the road. Now hit it hard, and the punk-ass security guard should bail. And take it to the warehouse at the docks, and my guys are gonna take over from there. Now it won't be doing its rounds all day, so don't hang around. Ok, donc faut prendre une voiture et aller écraser un mec. Bon, il va me falloir un véhicule qui trace. Un pick-up, ça peut être pas mal, non? Tiens, dégage, papy. Allez, let's go! Ah, bah ça commence bien. J'ai fait un peu de dégâts, mais faut que je perde ma voiture avant d'avoir éclaté son camion. Attention, attention. Ah, voilà les flics. Ok, ouh, il y avait un gros camion là à prendre. Allez, essaye de l'éclater.
C'est du gros n'importe quoi. Aïe. Même le flic fait des dégâts à son pote. Notre voiture, elle peut pas prendre feu. Il semble qu'au bout d'un moment, on peut. Je crois qu'au point où on en est. Oh les bâtards! Merde, merde, merde. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Ouh. Non, non, non. Aïe. J'ai repris le camion poubelle, du coup, pour le pourchasser. Et là, on est en train de remonter deux étoiles. Ah bah là, c'est pas moi qui les ai écrasés. Hein. Les gars, il y a bien un moment où vous allez être défoncé, vous allez devoir descendre aussi. Et j'ai le camion, je me barre. Ouh. Il tourne plus, il n'y a plus de direction. Oh, ils m'ont retrouvé. Oh, comme ils sont arrivés. J'ai voulu me planquer, moi, en me disant. Ils vont peut-être m'oublier. Eh ben, non. À travers les arbres, on peut couper, là, à travers le... Ah, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. J'espère. Passe. Ça va passer. Oh, le truc de fou. Et plus d'étoiles. Yeah. Ok. 20 000. Oh, 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 oh. Ça paye. Ça paye, ça paye. Ah, j'ai un petit message. El Burro a une proposition à te faire. Ah oui. Va à la cabine téléphonique. Des choses qui ne changent pas. De Hepburn Heights. Si tu veux plus d'informations. Ok. Ok. Eh bien, écoutez. Moi, je veux bien plus d'informations. Mais bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Déjà sympathique. En tout cas, ça fait plaisir de retrouver un GTA. J'y avais pas joué depuis très longtemps. Je vais pas vous dire 20 ans. Mais pas loin. En tout cas, si ça vous a plu, on pense les petits pouces bleus, pensez à vous abonner. Il y a tout ce qu'il faut en description de la vidéo. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite de cette aventure. Ciao, bye bye.